Rapport à 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5, s'il vous plaît. 2 mm -hmm. Timothée, chapitre 4. Je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, mm -hmm. lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable mm -hmm. ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mmh. mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mmh. Mais toi, veille en toutes choses, souffre les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, rends ton service pleinement approuvé. Gloire à Dieu. Et moi, je vous pose la question. Est-ce que je peux me permettre d'aller prêcher la bonne nouvelle dans une église catholique Ici, si oui, la est. Bible va dire au verset de, de Timothée, chapitre 4, « Prêche la parole de Dieu, insiste à toute occasion, favorable ou non. » Et au verset 5, Paul va dire à Timothée, « Mais toi, sois sobre, Timothée est mort, mais la parole de Paul n'est pas morte. Timothée, aujourd'hui, c'est nous. » Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut répondre Tu as la réponse Je prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Ou non. Et euh, ben, déjà, comment tu te retrouves dans cette, cette fête que tu as invitée là-bas Écoutez, déjà, mon frère aîné, il est prêtre. Okay. Pour découvrir certaines choses, je ne sais pas s'il une erreur. Hein. Mmh. Si c'est une erreur, aidez-moi. Pour découvrir certaines choses, moi, je crois qu'au lieu de tout le temps entendre, des fois, il faut aller. Tu es parti vérifier toi-même. Oui. Okay. Parce que la Bible dit qu'on entend parler ou parmi les païens, sans pour autant être. Païen. Non mais c'est bien, tu es parti voir ce qui se passe et puis voilà, euh, bah, il t'invite, bah, dans ce cas là, bah, tu vas prêcher, euh, tu dénonces l'idolâtrie, tu dénonces euh, la mariolat mariolatrie. donc euh, tu dis que Marie euh, n'est pas la mère de Dieu, c'est ce que la parole nous dit, que Dieu n'a pas de mère, des mm -hmm. brossettes. Tu dis tout ça pour les sauver, pour les si maintenant ils sont d'accord, bah, ils vont se repentir, ils vont changer, ils vont être réformés, et euh, sinon ils vont te chasser. Okay, gloire à Dieu. Et si tu prêches cette vérité-là, s'il t'invite de nouveau, c'est qu'il veut le changer. Je pense qu'il y a plutôt beaucoup d'antichristes. Ah chasser. mais non, mais s'il faut prêcher, moi je veux prêcher ce qui est, ce qui est révélé. Hein. Oui, tu dis que d'abord, voilà. il faut commencer par dire effectivement le Seigneur euh, les aime parce que Dieu, veut, Dieu aime tout le monde, mais en fait, il leur dire que Dieu est contre l'idolâtrie, les images, les statues, voilà. Donc ça, tout ça, il faut leur dire. Okay, si gloire tu ne leur dis Dieu. pas, si tu ne parles pas des statues, tout ça, tu vas être dans la compromission. Okay, merci. Voilà. Donc il y a des âmes à sauver là-bas. Tu leur prêches Christ et tu dénonces l'idolâtrie. Au nom de Jésus. Ok, gloire à Dieu. Mais tu dis d'abord, quand même, à ce prêtre que tu vas dire tout ça. Pour ne pas non plus euh, scandaliser. Euh, scandaliser tout ça, tu lui dis voilà ce que moi, je crois. C'est ça la sagesse aussi. Amen. Hein. Parce qu'il faut, il faut de la sagesse, il faut de l'amour. Mm -hmm. Donc tu lui dis voilà, tu essaies d'abord de le gagner, lui. Ok, gloire voilà. à Dieu. Donc, euh, s'il si t'a invité, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est qu'il il veut entendre cette parole que tu prêches. Qui sait peut-être que Dieu veut sauver cet homme donc, le Seigneur l'a invité chez les Pharisiens, les chefs des Pharisiens, il y allait, et prêchait l'Évangile. Donc, euh... l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils sont tellement Pharisiens assis sur leur canapé, tirant sur tout ce qui bouge hein, et euh, ne faisant aucune œuvre, mm -hmm. ou euh, ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube et ils font le ministère. Ils pensent que c'est ça le ministère et euh, ils sont en train de tirer sur tout ce qui bouge. Et euh, donc, euh, ils ne font pas l'œuvre. Alors, moi, si on m'invite chez les bouddhistes. Je veux y aller parce que c'est une occasion. Je veux leur dire, vous voyez, Bouddha qui est là, c'est une statue. Ce n'est pas biblique. Dieu est contre l'idolâtrie. Parce que beaucoup de bouddhistes, bien qu'étant dans le faux, mm -hmm. il y en a qui sont sincères dans leur démarche. Comme beaucoup de gens, beaucoup de catholiques qui sont sincères dans leur démarche. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on fait ben, OK, vous m'invitez à prêcher. Eh ben, je veux prêcher chez les bouddhistes, chez les hindous. Partout, parce que le Seigneur a dit prêcher la parole à toute créature, à toutes les nations. Amen. Vous voyez ce que je veux dire mm. Mais je ne veux pas aller dans un temple bouddhiste pour aller prier, non. Moi, je sais que Bouddha euh, n'est pas Dieu, que ses statuts, c'est de l'idolâtrie, de mm -hmm. mais je veux prier pour ces personnes. Je ne veux pas me mettre avec eux pour prier, parce que ça, c'est le, le syncrétisme, c'est contre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce que j'ai cette vérité-là, biblique, comme beaucoup de chrétiens, que je dois maintenant, n'est-ce pas, manquer du respect aux autres Non, pas du tout. Je vais. On m'invite, je vais. Comme Christ, quand on l'invitait. La dernière fois, j'ai reçu un homme ici euh, qui voulait entendre mon témoignage. Il est venu euh, habillé tout en noir. Beaucoup de chrétiens ont crié, crié scandale. Ils ont crié au scandale. Ah, oh comme dans la Bible, ah, hein mmh. oh, il sera, il est rentré chez un pêcheur. Il a mangé avec. Waouh, mmh. wow, Seigneur. Une femme pécheresse qui est venue, euh, qui l'a touché. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là c'est pas. Mais le Seigneur a dit quoi? Je suis venu pour les malades. Si on t'invite régulièrement dans un bâtiment catholique pour prêcher, et que. C'est que. S'ils gardent l'idolâtrie, ils gardent les statuts, c'est que toi, tu es dans la compromission. Mm -hmm. Tu vois? Mm -hmm. Mais s'ils t'invitent régulièrement et qu'ils ont changé tout ça, gloire à Dieu! Et qu'ils prient maintenant Jésus, Jésus seul et qu'ils ont cassé les statuts, gloire à Dieu! Qu'ils ont arrêté avec toutes les. Et là, ça serait difficile. Mais ça peut arriver parce que Dieu peut sauver toute une assemblée comme ça. Et je ne dis pas toute l'organisation catholique, parce que la parole nous dit que c'est la grande Babylone. Ça va rester jusqu'à la fin. Mais euh, Dieu peut sauver un prêtre. On le voit. Il y a des pasteurs qui viennent me voir. Par exemple, la dernière fois, la dernière fois un pasteur vient me voir avec ses livres magiques de la Kabbale, tout ça. Et euh, il, a tout, il a tout déposé, sa soutane. D'ailleurs, il va venir bientôt pour témoigner. Et euh, donc on oublie souvent en tant que chrétien que euh, nous avons la parole que Dieu nous a donnée pour éclairer les autres. Et on se cantonne sur le net, sur les sites internet ou, euh, ou, ou dans les bâtiments d'église, ou dans les maisons, qu'on appelle l'église de maison, mm -hmm. entre nous, et on ne parle pas aux autres. Et Jésus Christ allait partout. Il allait partout notre maître. Un chef pharisien l'invite chez lui. Il est parti manger. Un, euh, il est allé manger chez Zachée, un voleur. Il est, il est rentré là-bas pour manger parce qu'il apportait la parole. Mais il n'allait pas être ami avec les pêcheurs euh, qui ne voulaient pas changer. Donc, ce prêtre t'invite. C'est une occasion que Dieu te donne. Ça peut être un piège de l'ennemi pour t'avoir. Donc, pour ça il faut que tu fasses attention. Amen. Donc, tu vas le voir. Tu lui dis voilà. Ce en quoi j'ai cru, je crois, et euh, je crois que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le Père Éternel. Vous partagez la parole. Je crois que Marie n'est pas la mère de Dieu, que c'était une femme merveilleuse qui a reçu un appel particulier, unique, qui a rempli son rôle parfaitement, grâce au Seigneur, mais elle a reconnu elle-même qu'elle était servante la servante du Seigneur, donc l'esclave du Seigneur, qu'elle était aussi elle-même, elle a reconnu que le Seigneur est venu la sauver de ses péchés comme tout le monde, elle est morte et elle attend la résurrection des morts. Mm -hmm. que on n'a pas à prier les saints parce que les saints c'était des hommes comme vous et moi qui étaient vivants mm -hmm. au sein de Rome, au sein des tout ça. Donc ce ne sont pas des personnes canonisées par le, par le Vatican, euh, que le pape n'est pas le représentant de Dieu sur la terre. Mm -hmm. Donc calmement, avec sagesse, tu partages ces choses-là. Donc, tu m'invites chez toi pour prêcher. Est-ce que tu penses que je peux prêcher ces choses-là? Mm -hmm. D'accord? Donc, tu le dis. Et s'il est d'accord, si lui, il est gagné, maintenant, il va gagner les autres. C'est ça, en fait, le travail Amen. que nous sommes appelés à faire. Amen. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la lumière. Nous devons éclairer les autres. S'asseoir sur son canapé, crier, crier comme un fou, tirer sur tout ce qui bouge, ça, enfin, ce n'est pas l'évangile de Christ. Nous, nous allons sur le terrain. Nous rencontrons des gens de toutes sortes. Nous rencontrons des malades, nous rencontrons des gens qui sont désemparés, nous rencontrons des religieux, nous rencontrons des hindous, des bouddhistes, des musulmans, nous rencontrons des gens de toutes sortes et on discute, on, on échange, on partage. Mmh. Voilà ce que la parole de, de Dieu nous dit. Voilà ce que les Écritures nous disent. C'est pour cela que je disais que moi, si on me vit dans un temple bouddhiste, eh bien, je ne vais, je vais pas aller pour prier. Non, avec eux. Si on me vit pour prêcher, pour prêcher. Hein, si on me dit, messieurs, venons nous partager la parole que vous prêchez. Je veux quoi C'est des âmes qui sont là-dedans. Amen. <laughs> Je vais, je leur dis, Dieu est descendu, il est, il est venu, Jésus-Christ, notre Dieu, il est mort à la croix pour vous. Excusez-moi, mesdames, je ne veux pas vous casser, vous condamner, mais Bouddha ne peut rien faire pour vous. Vous voulez sauver, être sauvé, venez à Jésus-Christ. Avec, avec amour, tu leur partages ces, ces choses-là. Et ceux qui cherchent le Seigneur véritablement peuvent être éclairés comme ça. Donc, Mais de là à aller dans un temple comme ça pour prier, là, c'est autre chose là bien sûr c'est condamnable et là c'est le mélange, c'est le syncrétisme donc il y a des gens qui sont sincères dans leur démarche, il y a des gens qui cherchent Dieu sincèrement, même si sont dans la fausseté dans des fausses doctrines et il y a beaucoup qui sont sincères, priant pour ces personnes et surtout partageant leur l'amour la parole du Seigneur avec amour et Dieu peut les écrire